musique qui est à la fois extrêmement humaine, qui raconte toujours des choses extrêmement intimes, et on a l'impression qu'elle est écrite pour nous, à chaque fois. On a l'impression que qu'elle est susurrée à notre oreille, qu'elle correspond à notre sensibilité, et quand je dis la nôtre, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui font plus ou moins l'unanimité, mais on peut dire que Mozart est probablement le compositeur qui rassemble le plus autour de lui, et tout le monde se sent proche de Mozart. Donc moi aussi, je ne fais pas exception. J'ai la chance, en étant chef d'orchestre, de voir l'intérieur de cette musique-là, qui est un kaléidoscope absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on voit encore plus, on entend encore plus quand on a la partition d'orchestre en face de soi et qu'on voit un petit peu tout ce qui se passe, ce que fait un cor, ce que fait un alto, ce que fait une partie intermédiaire. Et c'est absolument fascinant de voir combien Mozart écrit merveilleusement bien pour l'orchestre. Qu'il écrive bien pour les voix, ça on le sait bien, et c'est une chose universellement connue. Mais dans un opéra, il ne néglige rien. Tous les détails sont absolument merveilleusement soignés et toujours apporte une joie à celui qui le joue et à celui qui le dirige et à celui qui le fait et à celui qui l'entend aussi. Donc c'est une espèce de moteur de joie tout à fait étonnant, malgré la vie pourtant pas toujours très facile qu'il a eue. Sérail a une particularité, c'est qu'il raconte un petit peu l'Orient à un public de Vienne au 18e. Donc Vienne est à la fois à l'Orient de l'Europe. Vienne est menacée par les attaques turques récurrentes. Donc vraiment la Turquie est aux portes de Vienne. Et il y a à la fois le danger et la fascination pour ce monde-là. Et je pense que dans l'enlèvement au Sérail, il y a plein de choses qui nous racontent ça, qui nous racontent à la fois le danger par le personnage d'Osmine, qui est un personnage inquiétant et plutôt maléfique sur plein de d'aspects. Et puis, il y a la grandeur d'âme du Pacha Zélim qui montre un autre aspect de la Turquie en tout cas, et puis par exemple la position de la femme dont on parle aussi, l'histoire de la religion est aussi indiquée, enfin bref, il y a plein d'aspects qui sont effleurés par ce livret qui semble être simplement une chose marrante, légère, mais finalement qui va dans une certaine philosophie. Que
Mozart est effectivement un des grands compositeurs qui préfigure le futur, c'est qu'il introduit la psychologie dans ses opéras, ce qui est une chose tout à fait nouvelle, qu'aucun des compositeurs n'avait entamé. Peut-être un petit peu Handel, mais à peine effleuré. Mais Mozart est vraiment révolutionnaire dans ce sens-là. Et donc il y a malheureusement pas de mise en musique de Selim, et donc le Pacha n'a pas de musique à chanter, mais malheureusement, parce que c'est peut-être le personnage le plus tourmenté de la pièce. Mais pour le reste, tous les personnages, et surtout Constance, nous racontent une psychologie, et donc c'est une œuvre qui est très touchante pour ce qui se joue du point de vue humain, qui est donc l'enlèvement, c'est-à-dire qu'on vient chercher cette jeune femme en Turquie et on la ramène à sa culture, mais il y a évidemment une perte dans ce départ, et c'est évidemment ce déchirement qui est la chose la plus touchante, et puis les retrouvailles évidemment de l'amant et de l'amante qui, à la fin de l'opéra, juste avant le vaudeville final, qui sont des moments de grande intensité. Parce qu'il y a retrouvailles, mais certitude d'une issue fatale, parce qu'ils pensent qu'ils vont être exécutés par le Pacha. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de choses humaines qui se passent, les adieux à la vie, le retour à l'amour, le soupçon amoureux, et puis le pardon amoureux, qui est une chose très importante dans les opéras de Mozart aussi. Donc il y a beaucoup de choses dans un opéra que Mozart a écrit quand il avait tout juste 20 ans. Donc c'est vraiment incroyablement mûr du point de vue psychologique.